nous savons des créoles, des fils d'espagnols qui sont restés, ils avaient le pouvoir économique, ils sont pris le pouvoir politique et ils savaient développer aussi les armées. Donc, si vous imaginez une pyramide, ils ne savaient pas le pouvoir politique, qui était en Espagne, mais ils savaient le pouvoir économique et le pouvoir militaire. Quand ils ont réussi à avoir les indépendances, à utiliser les soldats, les Indiens, les Métis, et les esclaves comme chefs de canon, ils ont réussi à avoir tous les pouvoirs. Et c'est ça qui s'est joué un peu partout en Amérique latine avec les forces armées. Les écoles d'officiers, toujours, ils sont défendus, ils sont protégés la couche de la population qu'avaient les pouvoirs politiques et économiques. Du coup, quand au Venezuela, Chavez arrive au pouvoir, on peut dire que c'est le premier métis, déjà, qui arrive au pouvoir. Et c'est le premier commandant en chef des forces armées qui vient, qui a un couleur de peau différent. Donc il y a aussi une éducation raciale à tout ça. Mais maintenant, je vais vous emmener au Chili, à l'époque de l'année 1970. Allende il arrive au pouvoir, après quatre fois qu'il a essayé d'être président de la République. Et il arrive au pouvoir, et avant qu'il arrive au pouvoir, avant d'être élu, les États-Unis ils ont déjà mis un plan qui marche pour déstabiliser et empêcher qu'Allende, qui a été élu, soit proclamé président de la République. Comment ils vont faire ça? Avec beaucoup d'argent qui a été mis principalement dans les médias, mais aussi dans les partis d'opposition et dans les groupuscules d'extrême droite qui ont fait un attentat en essayant de tuer les commandants d'un chef de l'armée, en pensant que s'ils tuaient les commandants d'un chef de l'armée, ils allaient aboutir à faire bouger toutes les forces armées pour empêcher qu'Allende prenne le pouvoir. Et en fait, ça n'a pas marché comme ça, et ça a été découvert. Puis, finalement, la centre-gauche, elle a pris la décision de soutenir l'élection d'Allende. Allende l'a été élu. Mais à partir de ce moment-là, c'était la guerre. C'était la guerre des États-Unis, c'était la guerre de la patronale, des patrons, contre les projets socialistes de Salvador Allende. Mais il faut le dire aussi, il y avait deux voies au Chili. Il y avait la voie politique, pacifique. Allende, c'était un démocrate. Et il y avait aussi une autre voie révolutionnaire qui était aussi légitime, valide, valable. Il y avait deux chemins qui se rencontraient. Et là, il y avait un petit problème aussi parce qu'Allende, il est resté un petit peu seul à ses positions. Mais on peut dire qu'Allende, il a été toujours un démocrate. Il a respecté la Constitution. Donc, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui au Venezuela? On voit, il n'y a pas de. Les gens, ils disent, il n'y a rien pour acheter. Il n'y a même pas de quelqu'un. C'était la même chose. Les patrons, ils sont tout cachés. Vous pouvez trouver des sangas pleins de marchandises, de riz, des pâtes. Et c'était caché, c'était volontaire. L'idée, c'est faire que la classe moyenne devienne une ennemie des gouvernements. Si vous savez, les gamins, vous n'êtes pas politisé, mais vous savez rien pour leur donner à manger, c'est la faute de qui? C'est la faute du gouvernement. On n'agit pas au-delà de ça. Donc, il y avait la violence de la rue, dans la rue. Il y avait la violence des deux côtés. C'était une époque où la voie armée, elle était encore légitime aussi. Et dans certains cas, elle l'est encore. Mais à l'époque, c'était possible de penser qu'on pouvait changer les choses par des armes, il y avait des exemples, mais aussi Allende voulait faire autre chose. Pour revenir aux exemples, aux parallèles que peut faire entre ce qui est suivi aujourd'hui, la révolution bolivarienne, et ce qui a suivi Salvador Allende, on peut parler, par exemple, des certains cas particuliers. Par exemple, il y a des grèves, bien sûr, qui sont dictées pour les patrons, les syndicats patronaux. Ils ont fait plusieurs grèves au Chili. Ils ont fait une grève, vous savez, comme il est le Chili un peu particulier, qui a 1500 km de long. Ils ont coupé les pays en deux ou en trois, comme ça il n'y avait pas possibilité de faire circuler les marchandises. Donc vous savez tout de suite l'absence de marchandises dans différents endroits. Et ils ont créé un lien entre les organisations des miniers, parce que les miniers, il faut dire, des cuivres au Chili, qui s'étaient les mieux payés. Mais il y a eu la droite qui a profité de ça. Ils sont demandés qu'ils exigent beaucoup plus
des gouvernements à l'époque. Et avec ça, ils sont introduits dans la classe ouvrière, dans la classe travailleuse, une petite pierre qui a été soutenue aussi pour les étudiants et le réactionnaire. Et nous avons, pour la première fois, une union entre les étudiants et les ouvriers et les mouvements. Ils sont sortis de la rue pour la première fois. Et nous, et je, quand je vois là aujourd'hui ce qui se passe au Venezuela, je vois des images qui se rassemblent beaucoup, beaucoup. Quel est mon espoir dans tout ça? Quel est mon espoir dans tout ça? Quelles sont les différences que je trouve? Les forces armées chiliennes, bien que cohésionnées, il y avait un commandant de chef qui était respectueux de la Constitution, qui était pas, mais il allait partir. Après, Allende a accepté la nomination de Pinochet, parce que c'est Allende qui a nommé Pinochet. Et il n'y avait pas une réflexion politique dans les forces armées. Et il n'y a pas en Amérique latine, sauf dans des cas particuliers. Un des cas, c'est le Venezuela. C'est une des seules forces armées qui a compris que les avancées des peuples étaient aussi les leurs. À la différence des autres peuples d'Amérique latine, dans laquelle les forces armées, elles continuent à protéger, c'est-à-dire le pouvoir économique et le pouvoir politique. Bien sûr, tout ce que je vous dis, c'est une interprétation. C'est pas. Il y a des constats, des faits historiques qu'on ne peut pas nier. Après, il y a des interprétations que chacun peut faire la sienne. Mais le plus intéressant de tout ça, c'est comment on peut aujourd'hui accompagner les Venezuelans et empêcher qu'il y ait la même finale qu'a souffert le peuple chilien en 73. Je ne pense pas que ça va se faire de la même manière. Je crois que le processus électoral a montré aussi qu'il y a un soutien majoritaire de la population. Donc c'est des contextes différents, mais il faut faire attention. Il faut faire attention surtout à la relation que peuvent avoir les forces armées et les éléments dans les forces armées que peuvent éventuellement, en disant que le peuple est en train de souffrir, intervenir et faire quelque chose. Pour moi, c'est là la clé de tout ça. Voilà ce que j'avais à témoigner.